Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lucas Sport. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode année 2000, j'ai envie de dire. On est avec tous les meilleurs joueurs des années 2000, tout simplement en mode blacktop, tranquillou. Mais je vais vous expliquer comment j'ai fait pour les avoir. Sur ce, c'est hyper méga simple à faire. Il vous suffit impérativement par contre une connexion à internet sur le mode mon équipe dans Touquet, qui est l'équivalent de mode Ultimate Team, donc de FIFA à peu près. Il vous suffit tout simplement de lancer un match Road to the Playoff, donc en route pour les playoffs, et de prendre la balle dès le plus vite possible et de faire start. Alors que là on lance le... Oh Yao Ming, la loop stylé. Il vous suffit donc de faire pause et de laisser le temps s'écouler en haut. Il y a 3 minutes je crois à s'écouler. Vous le laissez le temps s'écouler tout simplement, et après ça va quitter. Et une fois vous revenez après sur le mode blacktop, et vous aurez tous les joueurs, donc ils appellent ça les, dans tout cas ils appellent les throwback. Donc c'est les joueurs rétro mais récents, même il y en a très très rétro, mais là c'est plus les joueurs rétro récents que j'ai pris. Et vous voyez ce qu'on a, on a du Yao Ming, on a du Allen Iverson. Donc ces joueurs sont jouables en vrai quand Yao Ming, le mec il saute pas du tout. Ils sont jouables qu'en mode mon équipe en vrai, mais on peut les avoir par contre qu'en mode c'est un peu dommage. Kobe Bryant, on peut les avoir qu'en mode blacktop. Ça c'est un petit peu dommage, on peut pas faire de partie rapide avec eux. En tout cas j'ai pas essayé, mais je ne pense pas. Sinon je pense que je l'aurais su. On peut pas faire de mode My GM, ça aurait été bien stylé de faire un bon mode My GM là dessus j'aurais kiffé en faire un. Et malheureusement il n'y a pas, donc c'est juste un petit peu dommage. Mais c'est déjà pas mal de les avoir en mode blacktop, et c'est stylé. Et pourquoi pas faire un petit match mon joueur contre par exemple Allen Iverson ou Kobe Bryant ou Tracy McGrady, même D-Wade, ça peut être vachement drôle. En attendant, je vais vous montrer le match. Je découvre en même temps que vous. À vrai dire, j'ai pris un peu les joueurs qui étaient vraiment grands fans des années 2000. Oh, Vince Carter qui a tenté de postériser Paul Pierce de Boston. C'était osé. Et ce qui est stylé, dans le mode... On la balance tout de suite pour T-Mac. Oh, T-Mac face à Kobe Bryant qui était quand même un énorme duel à l'époque. Ce qui est stylé, c'est qu'en mode blacktop, les dunks sont un peu plus cheatés, j'ai envie de dire. Plus freestyle, bah plus street quoi. Oh, D-Wade. Qu'est-ce que c'est beau. Qui lui était tellement explosif à l'époque. On vit une carte sur la rapidité qu'il a. C'est juste monstrueux. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que là vous avez dû voir avec le maillot de Vince Carter. Oh! Et le maillot de Tracy McGrady, c'est que c'est les maillots actuels. Donc c'est un petit peu dommage là-dessus. On aurait quand même préféré voir Vince Carter avec le maillot des New Jersey Nets et non des Brooklyn Nets. Mais c'est ça qu'un détail. Oh, dommage avec Allen Iverson. Ça a failli passer. Oh, dommage. Bon, là, je me fais peut-être un peu violemment corriger. On va demander un écran qui fait Yao Ming. C'est Scam Team Mekan en face qui est censé faire. Qui fait 2m16. Oh, il y va tranquille, Vince Carter. Ça fait un peu un petit All-Star Game. À la sauce Blacktop. Aucune défense. Bon, même si eux. La défense est plutôt pas dégueu puisqu'on a. Ils ont encaissé que 3 points. De ma part. Oh, D-Wade a 3 points. Ah, ils ont quand même changé un petit peu les shoots quand même. Ils se sont dit quand même on va essayer de pousser la liste un maximum. Bon, c'est un peu dommage que Vince, parce que Vince Carter là il est vieux là quand même. Yao Ming par contre lui il est vachement bien fait. Même si bizarrement je trouve qu'il a que sa tête jaune hein. Oh bah deuxième fois qu'il fait ça. Et il est en kiff avec ce alley-oop layup. Avec du style. Oh par contre là on s'est fait bouffer par D-Wade. Qui était capable lui Oh, le cross. Oh, dommage. Oh, c'était parfait.
qui était quand même à l'époque capable de faire de ces dunks. J'ai fait quand même placer un ou deux alloups parce que j'en avais déjà fait en mode, mode blacktop, des alloups vraiment cheatés. Mais bon, pour ça, faut quand même plus de contre-attaque. Par contre, les dribbles, c'est juste parfait avec Vince Carter. Alors, les moyennes des joueurs, je sais pas exactement si ils ont plus de 90, c'est sûr. Par contre, on s'est un petit peu troué. Vince Carter, je suis d'or 93, T-Mac 95. Oh! C'est pas passé loin. Allen Iverson doit avoir 96, un truc comme ça. Yaoming, bien noté aussi. Le petit shoot en décalé. Après, je vais essayer de faire un petit poste. Un petit show poste. Tracy McGrady. Contre Paul Pierce. Contre. Ou avant, on a peut-être une contre-attaque. Non, ça va être compliqué. Oh, pas mal la part de Vince Carter. On voit Scotty Bryant qui était quand même une bonne rivalité aussi à une bonne époque. Des années 2000. On a également. On a plein d'autres joueurs. On n'a pas que ces joueurs-là. Pour vous dire, oh là Léo, pourquoi pas? Oh, c'était bien tenté. Malheureusement, belle défense de leur part. Ils n'ont pas voulu me répondre. Oh, il y a quand même des fautes. Il y a quand même des fautes. Attention, il y a quand même des fautes. Donc, il n'y a pas que ces joueurs-là. Il y a plein d'autres joueurs. Il y a par exemple Dwight Howard. Oh, Paul Pierce, Paul Pierce. Il y a Dwight Howard des finales NBA 2009. Il y a qui d'autre? Il y a Steve Nash, il y a Marcin Neumayer. Il y a du bon monde, hein. Et Vince Carter, bim! Il y a du très beau monde. Il y a monsieur André Godala aussi quand il était aux Sixers. Qui était juste également monstrueux. Je sais pas si un jour ils feront peut-être bon, ça m'étonnerait, mais un Boris Dio version, version Phoenix meilleur. Oh, moi c'est une preuve de player. Ça peut être stylé d'avoir un français. Et avec un Boris Dio qui peut péter des gros dunks, ça peut faire plaisir ça aussi dans tout cas. Alors que là je me fais enchaîner. Mais alors sévèrement. Allez, on a un autre duel. Oh, on perd la balle. Hop, il joue la carotte direct là-bas. Oh bim! Oh, Yaoming qui joue la carotte. Yaoming. Oh, Yaoming la passe. Elle était sublime. Elle était sublime. Mais dommage. T-Mac qui a pas réussi à capter cette balle. On va demander un petit écran. Allez. Oh pff. Facile, facile pour Yaoming. Vraiment mais géant là, franchement. Je me rappelais plus de l'avoir joué avec lui dans les anciens NBA Live, mais il devait être aussi géant que ça. Mais... on va demander un petit écran, c'est qui vient là. C'est n'importe quoi. Le shoot aussi de T-Mac était juste une merveille. Oh dommage, oh, il a même pas sauté. Le mec fait 2m29, il saute pas. C'était pour Yaoming. Je cherche vraiment le décalage parfait. Si on peut faire que des écrans. Ah, même si là il est un peu raide son shoot, je trouve. Personnellement, je l'aurais mis peut-être un peu plus athlétique son shoot. Oh, oh, Tracy McGrady. Le win wheel monstrueux. Et je gagne même des crédits en faisant. J'ai cru voir les crédits à part, donc c'est peut-être un bug. Oh, oh le coquin. Il a voulu nous avoir là par contre. J'ai envie juste de faire un petit hook shot avec notre ami Yaoming. C'est dommage, je sais qu'ils auraient pu mettre aussi les. Il y avait un beau duel aussi à l'époque, c'était quand même Yaoming Shaquille O'Neal de Miami. Je ne crois qu'il n'y ait pas.
Ouf, mais il y a le Shaquille O'Neal des Lakers. Donc ça doit être un peu la même chose. Ouf, oh là là. Oh Tracy McGrady. Oh là 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 là, il en fait voir des vertes et des pas mûres. Hein. À Paul Pierce. Si je pouvais lui en chipper la balle. Petit vote qu'on a pas trop vu. Par contre, Kobe Bryant, il artille. Oh là 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 là, Kobe Bryant, il artille. Hein. Moi, je cherche à placer des beaux petits dunks. Et alors, eux, par contre, ils n'ont rien à foutre. T-Mac. Oh T-Mac. Il est juste monstrueux. Par contre, aussi, si je laisse tout seul tous les autres joueurs, moi. Oh, bien joué. Oh, ça, c'était de la merde. C'était bien trop tard la passe. Est-ce que je peux faire des prises à deux quand même? Parce que j'aimerais bien quand même placer. Ok, Bryant. Non. Pas pour cette fois, mon gars. Oh, la hauteur! Oh, quel dommage! Comment il rate ça? Oh oui, bien joué de la part de Allen Iverson. Oh, la loupe contre la planche. Et le moulin avant. Putain, ça, ça fait du plaisir, ça. Ça fait plaisir, ça, de revoir quand même. De jouer avec ces joueurs. Je pense que je vais m'éclater pas mal. Oh, il a sauté, c'est pas bon. Ah non! Oh, on récupère la pente. Ça va, on récupère la pente. 18-12, là on va devoir faire un rush pour essayer de gagner. J'aimerais bien placer encore quelques dunks. Oh, bien joué de la part d'Aïn, je sais pas ce qu'il a fait. Oh non! Comment il perd la balle? Je suis en train de martyriser le bouton X. Parce que bon, il y a des fautes, mais bon. Siffle pas beaucoup. Oh, j'aurais pu tellement lui chipper la balle. Bon, il fait que d'artiller. Oh là 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 là. Ça joue 21 points. Vas-y, montre-leur ce que tu sais faire, Allen. On va quand même essayer de jouer au poste. Bon, oh, les step back. De Vince Carter. Yao Ming, c'est juste énorme de jouer avec lui, c'est tout est facile. Je pense que ceux qui l'ont en ligne en mode mon équipe, parce que bon, moi j'arrive pas du tout à voir tous ces joueurs là. Faut quand même pas mal de points, bon, même si je suis pas un grand fan absolu. Alors qu'on va en rester là sur le gros poster de Paul Pierce sur Yao Ming, monstrueux. Pourquoi pas un 9 rebonds pour Yao Ming. Monstrueux. D-Wade qui a plutôt bien joué. Bah tu en peux voir peut-être les moyennes. 94, 93, 96, 95 d'Iverson. C'est juste un petit peu monstrueux. 99, 87. Ah, Paul Pierce c'est que 87 là. 93 et 95. Sur ce, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder cette vidéo. En tout cas, moi j'en ai pris beaucoup. Ça m'a fait plaisir de rejouer et de retourner dans les années 2000. Ça fait un plaisir. J'espère pouvoir pas refaire un autre match au pire avec notre joueur, comme je disais en début de vidéo. J'espère que ce tuto vous sera utile également. Sur ce, après 2 ans, je crois, d'arrêt carrément, c'était juste monstrueux. Oh là 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 là, Tracy McGrady. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait une Vince Carter au concours de dunk là, avec une magnifique passe dans le filet, quand je vous disais qu'on pouvait faire des dunks absolument cheatés. Oh là 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 là, pas une contre-attaque. Oh, D-Wade, le Raider. Oh, monstrueux, par-dessus Ray Allen. Alors ça, c'est juste magnifique. À demain la réception. Ah, quand je vous disais que c'était quand même épique ces joueurs là. Oh là là là. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nouveau match Toyota Center. On accueille cette année, je pense, de LeBron James et toute sa clé.